Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Pour les Sagittaires, premier message du Tarot des Anges, votre énergie principale pour ce mois-ci, votre tendance. Nous avons le 2 d'air, le 2 d'épée. On est sur le fait d'avoir un choix à faire sur lequel on ne voit pas très clair. On a une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. On est face à une impasse. On nie l'existence d'un problème, on fait l'autruche, on est dans le déni par rapport à une situation. Si c'est juste une question d'hésitation sur un choix à faire sur lequel on hésite, on vous invite là à faire un choix de cœur, à vous demander au plus profond de vous ce que vous souhaitez réellement dans votre vie et surtout ce que vous ne souhaitez plus, ce qui facilitera vraiment la prise de décision. Et vous allez certainement faire vos choix un peu à la façon de la reine d'épée en étant très intelligent, intelligente, en sachant faire la part des choses, en ne voulant pas blesser ou léser quelqu'un. Parce que on a quand même quelque chose qui va se séparer. Hein. Avec ce dos de deck, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête de façon assez soudaine et qui génère de la tristesse. On vous invite là à prendre le temps de vous réparer, de panser vos plaies, de guérir vos blessures et de pardonner peut-être à quelqu'un ou à vous-même par rapport à une situation qui vous a blessé. Ça peut être des mots blessants tout simplement, mais ça peut être aussi une séparation, ça peut être un deuil, enfin quelque chose qui n'est pas facile à digérer. Et il y aura certainement du coup un choix à faire par rapport à tout ça, par rapport peut-être à un nouveau projet. Et certainement, on vous invite avec cette reine d'épée. La reine d'épée, l'air de rien, c'est la veuve ou la divorcée du jeu. Et quand elle a des choix à faire, eh bien, elle les fait de façon précise, limpide, en tenant compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé et enduré, afin justement que ça lui permette de ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais de façon à ce que ça lui soit favorable. Il y a déjà des choses, assez de choses qui vous ont blessé. Si en plus on ne fait pas les choses correctement, ça va se répéter. Donc là, il y a un choix à faire et certainement quelque chose qui va s'arrêter, mais dont vous allez prendre la décision en étant droit dans vos bottes. Le choix à faire, il est là à nouveau, avec les amoureux et l'hésitation aussi. Donc on a bien quelque chose qui va vous demander de prendre une décision. Alors les amoureux, ce n'est pas nécessairement un choix amoureux, hein, ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix sur lequel on a une hésitation. On essaye là vraiment de faire les choses correctement. Hein. Et bien la reine d'air se représente, la reine d'épée qui est ici, on la retrouve là. Donc on voit bien qu'on va faire un choix en étant expérimenté, plein ou pleine d'esprit, réaliste et en prenant compte de son désir d'indépendance. Hein. On prend la prise de décision objective, on se débarrasse de ce qui ne sert plus hein, et on voit les choses clairement, avec intelligence. Ça va vous permettre d'aller vers la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Donc même si sur le coup, ce n'est pas spécialement agréable, c'est ce qui va vous permettre vous, de vous accomplir et de faire en sorte que vos soucis s'estompent. Hein, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Pour autant, il va falloir se positionner. Il faut y aller. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Avec le petit normand, on a la nouveauté, on a l'enfant, on a bah, du coup la nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, qui va vous demander encore de faire un choix. On a les chemins. Quelque chose qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction et qui, somme toute, sera quand même un petit peu stressant ou alors vraiment qui va arriver rapidement. Ça génère, ça procure de l'abondance ou c'est quelque chose qui va vous chambouler au niveau émotionnel. Ça peut vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous. Ça peut arriver lentement, mais bon, on a de la bonne nouvelle qui arrive très rapidement. On peut parler d'héritage aussi pour ce que ça concerne, hein, mais on a bien quelque chose qui se passe rapidement, soudainement et qui est stressant. Et avec le tarot, on a donc la reine d'épée, le diable qui peut nous parler bah, soit de quelque chose de financier, soit de se libérer d'une addiction ou de quelque chose qui vous a limité, qui vous a tiré vers le bas. On a le diable hein, quand même, hein, donc on se libère là. Hein. On a des communications toutefois qui arrivent assez rapidement, qui vous disent là que ça va être le retour à l'équilibre. Attendez-vous à avoir des petits coups de pouce ou un petit coup de pouce de l'univers, mais ça va se suivre. C'est vraiment diverses communications qui arrivent les unes derrière les autres, qu'il va falloir saisir bien sûr, afin de vous permettre de vous libérer de quelque chose qui ne vous sert plus, qui vous contraint, qui vous contrit, qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut.
Là, on peut avoir une décision de justice qui vous libère d'une situation compromettante, d'une addiction dont vous êtes fait une habitude et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de vous libérer de tout ça. Ou soit, on peut avoir une rentrée d'argent, un verdict qui va en votre faveur. Hein. En tout cas, on a bien de l'information qui arrive avec ce page d'épée, avec ce 8 de bâton aussi. Et il y a quelque chose qui va vous mettre le déclic, qui va vous faire dire que ça y est, c'est le moment, c'est le bon moment, vous pouvez passer à la suite. Vous pouvez enclencher quelque chose. Et ça vous libère, hein, parce qu'on met un point final à quelque chose là. Hein. On se libère d'une addiction, on se libère d'une personne trop autoritaire, trop difficile, enfin quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Vous allez pouvoir vous libérer et passer à la suite. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons la faux, la cigogne et la maison. Donc par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, le quotidien, le lieu d'habitation, la famille, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est tranché, décidé. Alors soit on déménage, tout simplement, soit on se sépare. C'est encore possible aussi. Mais il y a du mouvement. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on peut soit acheter, vendre un bien immobilier, mais on peut aussi déménager, on peut aussi donc se séparer de quelqu'un par rapport à une situation qui a duré que trop longtemps et qui a demandé de fournir des efforts, qui a été peut-être parsemé d'embûches, d'obstacles. Toujours est-il que là, vous allez en avoir très certainement des nouvelles par écrit de façon assez rapide. On parle bien de communication, je vous en ai parlé tout à l'heure. Des choses qui vont peut-être se passer de façon assez rapide. Déjà avec la faux, c'est rapide, mais on a les souris qui sont là. Alors, on voit bien que ça peut être stressant, mais on peut parler de rapidité aussi dans la façon de faire. Et ça concerne bien un engagement, un lien, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Mais ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. C'est, même si on se sépare, même si on fait le choix de quitter une habitation, de quitter un partenaire, de quitter un boulot, c'est pour justement aller vers quelque chose de mieux, pour aller laisser place à du renouveau. D'ailleurs, on a le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, d'harmonie à tous les étages. C'est l'accomplissement là, on se sent bien. C'est le bonheur familial, c'est le bonheur pour tout. On se sent bien dans ses émotions. Grâce à une proposition, à une nouvelle rencontre, à quelque chose qu'on met en place. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir. Ah, du coup, il y a le roi de coupe là. On parle là de guérison du cœur. On parle de se sentir mieux dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ses ressentis. Il y a bien une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, une nouvelle action qui vous apporte l'harmonie. On n'a que de la coupe, hein. On est vraiment dans l'émotionnel. Donc là, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. On se sent bien grâce à cette proposition, ça vous fait vibrer. Vous allez vous élever, si je peux dire, hein, pour aller vraiment vers quelque chose de très agréable. Qui vous apporte en tout cas une belle satisfaction. Oui, ça bouge et dans le bon sens. Au niveau de tout ce qui concerne nos activités pro ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, nous avons la clé, le gentilhomme et le cœur. On a des solutions qui arrivent, des choses qui vont vous faire vibrer, des portes qui vont s'ouvrir. Grâce à des discussions, des communications, je vous l'ai dit qu'il y avait pas mal de communications, ça se confirme, hein. On a les oiseaux qui sont là, donc il y a des échanges agréables, passionnants, passionnés, qui vont vous faire vibrer, qui en plus vous apportent des solutions par rapport peut-être à une problématique, ou tout simplement une opportunité à saisir par rapport à quelque chose de bien précis qui concerne les activités pro ou vos activités familiales. Ça va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Alors soit c'est vraiment on prend les choses en main, soit ça concerne un homme et une femme. On a le serpent qui peut concerner une femme, mais aussi la transformation d'une situation grâce aux communications. On a un beau cadeau qui arrive vers vous, une belle surprise, quelque chose que peut-être vous ne vous attendez pas à ce que ça vous soit présenté comme ça sur un plateau. Ça va vraiment permettre de transformer et de faire évoluer, de changer une situation. Avec le tarot, on a le 5 de bâton. On nous parle de défis à relever, de challenge, de y aller. Hein. Il va falloir y aller, rentrer dans la bataille, faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez par rapport justement aux communications, aux échanges. Ça va y aller de façon assez rapide, de façon assez énergique. Alors attention justement, parce qu'avec ce cavalier d'épée, par contre,
ça rejoint un peu tout ça. On a beaucoup de communication, ça va très vite, c'est très rapide. Et le cavalier d'épée, son seul défaut, c'est que des fois, il va tellement vite qu'il agit et ensuite seulement il réfléchit. On peut donc recevoir ou transmettre des mots un petit peu piquants, un petit peu blessants. Donc attention à vos paroles par rapport justement à vos échanges avec du monde qui est autour de vous. Au niveau du contexte professionnel ou familial, ça peut être assez passionné, hein. Mais ça va être pour quitter une situation, hein. Là, on fait les choses pour quitter quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Quelque chose qui a été désagréable. Bah, vous mettez en place le branle-bas de combat par rapport peut-être à des paroles piquantes, des mots blessants. Vous faites vos choix, vous tranchez, vous décidez, vous y allez, vous quittez. Et vous aurez de l'aide. De l'aide de la part d'une femme pour faire évoluer, transformer une situation peut-être désagréable. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Enfin, vous l'avez peut-être fait à l'envers, hein. Donc là, attention à vos arrières. Ça peut être effectivement, on peut craindre pour son amour propre, on va dire, hein. Ça peut faire chagrin, mais vous trouvez des solutions. Et vous faites surtout ce qu'il y a à faire pour clôturer tout ça. Ben, ça va demander quand même d'y aller, hein. De ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher dessus. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire, vous n'allez pas faire l'autruche. Hein. Vous n'allez pas attendre que l'orage passe. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre votre pouvoir, faire ressortir votre côté masculin pour justement trouver des solutions qui vous conviennent pour quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors que ce soit au niveau pro ou au niveau familial, activité, passion, hobby, loisir, vous allez faire ce qu'il y a à faire en communiquant et en relevant un challenge, un défi. Enfin, vous allez rentrer dans la bataille. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, nous avons le renard, l'étoile, les étoiles et le lys. Là, on retrouve de la sérénité, on peut officialiser, concrétiser quelque chose qui vous apporte justement de l'apaisement, mais qui correspond complètement à ce que vous souhaitez. Il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, ça vous permet vraiment de récolter de façon assez rapide, en rapport avec un organisme officiel, une entreprise, une banque, pourquoi pas. Enfin là, il y avait quelque chose qui va vous permettre, vous, d'officialiser, de concrétiser, de récolter. Alors, les lys, on les a là, mais on les retrouve là. Donc, ça peut être quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, quelqu'un qui est très intelligent, qui va vous apporter de quoi apporter de l'eau à votre moulin, hein. Par rapport à une situation financière, on a l'ours qui est là. Donc, ça peut être le banquier, ça peut être quelqu'un qui, oui, un juge, un notaire, un avocat, enfin, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a l'expertise, qui sait de quoi il parle. Et vous allez pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, en rapport avec un organisme officiel, une entreprise, pourquoi pas. Et ça va se passer de façon assez rapide. Ça peut être une décision de justice pour ceux qui sont dans l'attente. Mais ça va vous permettre, vous, de ressortir, je ne vais pas dire blanchi, mais en tout cas, d'être plus serein et de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, et de pouvoir établir des projets sur le moyen et le long terme. On a le jugement, hein. On est bien sur peut-être quelque chose qui est très officiel qui va tomber, soit il y a bien quelque chose qui va être révélé, qui vous place sur une seconde route, qui vous place sur une seconde chance et qui va vous permettre de redémarrer quelque chose. En tout cas, c'est libérateur par rapport justement aux remords et aux regrets, aux choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, des choses qui sont maintenant passées et auxquelles vous ne pouvez plus rien changer. C'est ainsi, c'est la vie. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de quitter ces choses du passé et de vous diriger vers les deux coupes pleines, les deux opportunités de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et de quitter ces trois coupes qui ne vous apportent plus rien. Ça va vraiment vous libérer et vous apporter bien plus d'apaisement, de sérénité. Et on a le valet de pentacle, donc là, au sens strictement monétaire, on va dire qu'effectivement, on peut avoir de l'information qui vous arrive de façon financière, qui va vous apporter plus de confort, plus d'opportunités au quotidien pour vous sentir à l'aise. Soit on peut avoir tout simplement l'opportunité de changer de job, de changer d'activité, de repartir en formation. Bon là, dans la circonscription matérielle financière. Mais dans tous les cas,
vous allez avoir l'opportunité d'avoir plus de quelque chose au quotidien qui va vous mettre en sécurité. Et c'est révélé, c'est annoncé, c'est officiel, et ça vous permet vraiment de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien et qui ne vous laisse que des remords et des regrets. Autre message, surprise inattendue pour ce mois de mars. Nous avons l'arbre, nous avons le carrefour et le soleil. Bon, bah, on parle de guérison, de nouvelles destinées, de choix à faire, de nouvelles routes qui vous apportent la lumière, le soleil, le bien-être, la guérison, l'accord, la bonne réponse, les choses positives, quoi. On a l'enfant qui est là, on le retrouve ici. On a le fait de faire ses choix, de trancher, décider, un peu à la manière de la reine d'épée, pour prendre une nouvelle direction lumineuse, un accord, une bonne nouvelle, une bonne réponse, quelque chose qui va permettre de clôturer quelque chose avec ce cercueil. On en termine pour laisser place à du renouveau. On est sur le fait de recevoir des courriers, des communications écrites qui vont vous permettre de guérir ou qui correspondent à quelque chose de familial. Et ça arrive de la part soit d'un organisme officiel, soit d'une entreprise. En tout cas, on a bien la possibilité d'avoir plus d'ancrage, la guérison, la stabilité, le fait de pouvoir faire ses choix, de prendre une nouvelle direction vers quelque chose de plus ensoleillé, de plus lumineux, enfin quelque chose qui va aller dans votre sens. On a l'as de pentacle. Là, c'est vraiment le cadeau d'univers, le coup de pouce, l'opportunité qu'il faut saisir parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. C'est pas juste un ressenti, hein. C'est quelque chose qui est palpable, hein. C'est concret. C'est comme si on vous donnait une pièce pour dire tiens, prends ça et fais-en ce que tu veux. Non, là, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir avancer sur quelque chose de mieux, de mettre en place un nouveau départ pour pouvoir concrétiser, officialiser. Là, on fait la fête, on se réjouit. Hein. Le 4 de bâton, on voit des gens avec qui on se sent bien pour officialiser, concrétiser quelque chose de très stable. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une union, hein, tout simplement. On se marie, on se paxe, enfin, on signe un contrat. Quelque chose qui vous est offert, qu'il faut saisir. Avec ce 2 de pentacle, on voit que vous allez beaucoup être occupé, qu'il va falloir faire un choix encore pour maintenir de l'équilibre. Il y aura du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de pouce. Voilà les Sagittaires. Bon mois de mars.